Salut à tous, c'est Spikino. Il y a quelques années, j'ai fait un blog sur mes pogs. Je mettais dessus donc en photo tout ce que j'avais. Et j'avais mis aussi donc dessus la machine pour faire les pogs que vous voyez là. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo pour vous montrer comment fonctionnait. Donc la machine, elle est là. Alors, je vous montre vite fait, voilà, ça c'est les pogs que j'ai fait avec. Donc avec, on avait donc les pogs vierges. Qui était avec la machine. Voilà. Donc je les ai tous utilisés hein, d'ailleurs. Voilà. Donc je retourne sur la machine. Alors, on appuie là-dessus. Il y a ça qui sortait. Donc on prenait le pog. Alors faut imaginer bien sûr donc, que le pog est vierge. C'était collant en fait. Il y avait une partie par-dessus, donc pour pas que ça colle les doigts. Donc on enlevait cette partie-là pour laisser la partie collante. Et on mettait ça là. Comme ça. Donc là, comme si juste pour l'exemple, je vais l'enlever. Hein. Voilà. Ensuite, on faisait comme ça. On prenait, donc, je prends une image. Voilà, pour faire le pog, je vais prendre ça. Je vais faire comme à l'époque. À l'époque, je prenais donc les magazines de TD pour faire mes pogs. Et l'image, vous voyez, faut la faire passer là. On la faisait là, comme ça. Alors le trou, ça permettait vraiment de mieux cibler l'image. On se rend peut-être pas trop compte à l'écran, mais à l'œil nu, voilà, c'est mieux. Donc là, ah ouais, là c'est bien. Donc là, ça, faut appuyer là-dessus en fait et tourner en même temps. Bon, ça, en fait, ça découpe l'image. Donc ensuite, quand ça c'est fait, donc on enlève ça, on n'a plus besoin. Et hop. Voilà, on appuie là-dessus après pour le récupérer. Et voilà, c'est fait, le pog est fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, salut!